Hey, salut les gens, c'est Maxime, j'espère que tout se passe bien dans le fall pour vous aujourd'hui. On a des grosses infos pour vous aujourd'hui. Non, c'est pas des infos en fait, c'est des spéculations pour la prochaine map. Donc on sait qu'en 2017 on va voir des maps, ça j'en ai déjà parlé. Mais maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus en détail sur ces maps parce qu'on sait pas comment elles vont arriver, qu'est-ce qui va lui contenir. Est-ce qu'on a peut-être même eu une première image de la prochaine map? Ça c'est possible. Donc l'image que vous êtes en train de voir actuellement, c'est un splash art qui a été fait pour le lore de Koshka, donc l'histoire de Koshka. L'histoire où on trouve une mine qui a été redessinée par les artistes de chez Super Illumega Corp. Mais ce dessin m'a directement interpellé parce qu'on peut voir un fond qu'on ne reconnaît pas. C'est un fond extérieur, mais ce fond, on l'a jamais vu. C'est-à-dire que par là, à droite, donc l'endroit que vous voyez en haut à droite, les deux statues, ces deux statues, on les a jamais vues. D'accord? Et on sait qu'une map Vainglory, c'est forcément extérieur. Ça doit une map MOBA est forcément extérieure. Ces statues-là, on les a jamais vues. On les a entendues parler une fois dans les lores de la guerre de la tempête. Mais du coup, on n'a jamais vu ces statues. Elles n'existent pas dans la map actuelle. On a aussi une faune derrière, donc on a les quenouilles qui sont juste en bas. Tu sais que tu aimes les quenouilles. des arbres morts. Enfin, une faune qu'on n'a jamais vraiment vue dans la map Vainglory actuelle qu'on a. Et du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait la présence d'une telle faune dans la prochaine map? Parce que ce serait intéressant de ne pas rester tout le temps la même faune et flore. Ensuite, ces deux statues qui rappellent un peu un château. Et même, personnellement, moi, je pense que ça pourrait même aller jusqu'à un pont. Quelque chose du genre. Pour relever une entrée ou un pont-levis, je sais vraiment pas, c'est vraiment purement de la spéculation ce que je suis en train de lancer. Mais directement, ce fond m'a interpellé en tant que quelque chose qui faisait appel à une nouvelle map. Et au temps où je suis en train de faire cette vidéo, donc il est 2h du matin et on est le mercredi 21 ou 22. Mais aujourd'hui, du coup, on va avoir un petit sneak peek de quelque chose sur le live stream Vainglory, donc ce soir. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Moi, de toute façon, normalement, je devrais faire une vidéo en parlant dessus. Est-ce que ça va être une vidéo sur, enfin, un stream qui va parler des prochaines maps? J'espère que oui. J'espère vraiment que ça va être ça. Mais du coup, c'était juste une petite vidéo pour tenir au courant d'un avis personnel que je pensais là-dessus. C'était la présence du coup d'une vraiment un lieu totalement nouveau pour une nouvelle map. Et de toute façon, ce qui est logique, mais je pense pas dans un endroit, ça va pas être dans un endroit proche du Alcyon Fall. Je pense que ça peut même être également dans un différent pays, un continent complètement différent, une autre contrée. Donc ça c'est vraiment un point de vue perso que j'ai voulu ajouter, donc avec ce nouveau splash art de Koshka pour son lore qui est arrivé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des avis perso dessus dans les commentaires, parce que moi ça permet de recroiser des informations et puis on est plus fort ensemble. Putain, c'est beau ce que je dis. Du coup voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Et sinon, je vais vous dire à bientôt dans le fall. À bientôt. Mauvais outro. Allez, à bientôt dans le fall, les gens.